Ok les gars, nouvelle boutique du 27 novembre 2023, c'est parti, dernière semaine officiellement dans le chapitre OG, qu'est-ce que Fortnite nous a préparé. Ok, du coup on commence avec le pack d'Optimus Primal. Alors frérot, j'aime beaucoup Fortnite, je ne veux pas empêcher Fortnite de faire du business, mais le skin me semble légèrement un petit peu trop musclé pour être jouable. Il fait au moins 12 camions de largeur, c'est bon. Voilà, ceux qui vont l'acheter, bonne chance à vous, c'est tout ce que je peux dire les gars, c'est tout ce que je peux dire. Regardez les épaules qu'il a, c'est injouable. Bref, du coup, on a toujours les 10 paliers du pass de combat qui sont disponibles. Du coup... Oh frérot, oh là 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 là, mon skin de Noël préféré qui fait déjà son retour, le pack de casier original de Chica avec le soldat laineux. Pour ceux qui ne le savent pas les gars, le soldat laineux, ça a été vraiment mon skin de Noël coup de cœur avec le lutin, mais je l'ai joué vraiment quasiment toute la première année où je l'ai acheté, je ne l'ai pas lâché ce skin, c'était n'importe quoi. Et là du coup il est disponible, vous pouvez même l'acheter séparément au prix de 800 bucks, en vrai 800 bucks pour ce skin... C'est vraiment, vraiment pas cher. Mais après, encore une fois, je ne peux influencer personne à faire des achats. Par contre, je peux vous influencer à mettre le code créateur LEN quand vous faites justement vos achats. Vous êtes plus de 2000 à le mettre chaque jour en ce moment. Un grand merci à toutes les personnes qui pensent à le mettre, surtout quand on est dans une saison, enfin dans une semaine, pardon, de nouvelles saisons où du coup, il va y avoir le pass de combat à acheter. Du coup, ensuite, on a le pack de The Greff qui fait son retour. Alors, le combo de skin est calamiteux. Voilà, c'est le seul mot qui me vient en tête. Il faut se dire qu'à l'époque c'était ce genre de combo de skin que les gens utilisaient. Ensuite on a la danse. Alors le copyright, je parle, YouTube vous entendez pas, voilà, je viens d'éviter un copyright en l'espace de 2 petites secondes, c'était le tuto made in LEN. Ensuite du coup on a le pack entaché qui fait son retour, skin ou cheat collect planner, ainsi que le petit revêtement qui va avec. Et est-ce qu'on arrive à la fin? Non, on n'est toujours pas à la fin. J'avais oublié que Fortnite profitait de la fin de la semaine OG, enfin du mois OG, pour essayer de vendre le maximum d'items à la communauté. Ok, ensuite fiévreuse. Vendue au prix de 800 V-Bucks. Ok, le pack ensuite knack. Alors c'est ça pareil, ça, les trollers vont l'acheter. Tous ceux qui ont pas joué après le chapitre 1 et qui n'ont jamais connu ce skin vont délirer justement en découvrant ce skin. Alors ensuite, le pack diabolique qui fait son retour. Donc à l'intérieur, on a 2 petits skins qui mettent un petit peu de temps à charger. Le petit outil de collecte, le gros planeur. Le très très gros planeur avec l'outil de collecte et le revêtement. Et du coup, la dernière ligne, je pense, c'est du coup les skins Bambi du chapitre 1. Alors, je trouve ça un petit peu culotté de la part de Fortnite de nous vendre des skins qui sont du coup actuellement gratuits. J'ai un peu mal à comprendre la stratégie commerciale. Mais soit, du coup, pourquoi tu vas acheter maintenant des skins que tu peux avoir gratuitement juste en mettant tes skins aléatoires? Du coup, après, on a le petit planeur qui est disponible. Vous pouvez acheter chacun des skins justement de façon séparée à 800 V-Bucks pour ceux que ça intéresse. Et du coup, pour terminer, on a la sorcière surfeuse qui fait son retour avec son petit outil de collecte. Et enfin, du coup, le pack Memento Mori qui fait son retour avec ce skin qui a 2 customs, le petit outil de collecte ainsi que le revêtement. Clique au centre de l'écran pour visionner mon dernier short. Abonne-toi à la chaîne, ce n'est pas encore fait. Bonne journée à tous. Peace.